WhatsApp tout le monde, c'est Muse. Alors aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à vous faire. C'est pour vous dire que je vais changer de chaîne parce que je vais faire une chaîne dédiée entièrement aux commentaires. Parce que la chaîne que j'ai actuellement, MuseFTW, c'est une chaîne qui est à la base fait pour les trickshots et pour les killfeed et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est ce que. Oula, qu'est-ce que. Connexion. Ouh. Oh my god. Bon bah pourquoi pas. C'est une chaîne qui est faite pour les kill, la killfeed, les trickshots, mon. Ma. Oh là là, c'est quoi cette connexion? C'est. Oh, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Bref, faut que j'arrive à la dire, mon frère. C'est une chaîne qui est consacrée uniquement au. Au. À ma carrière sur le sniper, on va dire. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais enfin, ma carrière du sniper. Et donc je me disais je vais faire une chaîne qui est faite spécialement pour les commentaires. Mais la connexion est vraiment. Oh là là. Bon je suis désolé hein, la partie c'est un gameplay commenté en live. Donc je pouvais pas prévoir une connexion comme ça. Donc là franchement je sais pas si c'est moi ou. Bah apparemment lui ça a l'air d'aller. Donc non bon je sais pas. C'est à peu près tout le monde. Donc je fais. Bah moi, je vais faire une chaîne Emu Studios, alors allez vous abonner si vous me suivez pour mes commentaires. Allez vous abonner quand même, hein. De toute façon même si vous ne me suivez pas pour ça. Non mais ce sera une chaîne entièrement dédiée aux commentaires, donc je ne ferai pas de trickshot, d'épisodes, d'édits dessus. Si vous m'écoutez et que vous êtes là uniquement pour mes edits, pour mes épisodes trickshot, pour mes les rares tutos que j'ai fait. Eh bien, comment dire? Faut que j'arrête de bégayer là. Voilà, ne vous inquiétez pas, je continue cette chaîne. C'est juste que je fais une chaîne spécialement pour les commentaires et une chaîne spécialement dédiée aux snipers. Donc, je pense qu'il y aura légèrement plus d'activité sur la chaîne des commentaires. C'est normal parce qu'un commentaire c'est largement plus simple à sortir qu'un épisode inédit et ça va beaucoup plus vite. Donc forcément, il y aura plus d'activités sur la chaîne Emu Studios. Donc allez vous abonner, il y aura le lien dans la description. Si vous voulez vous abonner à mes vidéos sur que je fais en commentaire. Oh dommage, j'aurais pu. Oh, je viens de capter qu'en face il y a Diane Larousse. C'est original comme il m'appelle. J'ai rien contre les roues, hein, mais. Non, je vais me faire des ennemis, faut pas que je dise ça. Non, après les roues ils vont plus regarder mes commentaires. Mais meurs toi, mais c'est quoi cette connexion de brin? Oh là là là, c'est moche. Alors, déjà, je tiens à m'excuser hein, pour la connexion. Je suppose que ça a bugué aussi chez vous, mais j'ai pas envie de recommencer un commentaire et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est vraiment pour vous faire l'annonce importante. Pourquoi est-ce que je joue en QG sur MW2? Tout simplement parce que c'est un mode que j'apprécie. Pourquoi est-ce que ça va se terminer? Voilà. C'est déjà fini. Donc la connexion était vraiment moche. La partie est déjà finie. Je pense que j'ai le temps d'en refaire une. Oui, c'est ce qu'on va faire. Par contre, si la connexion est toujours aussi moche, je vais devoir arrêter cette vidéo, mais on verra bien. Nous allons être surpris. Donc Diane Larousse, première. Alors Diane Larousse, niveau 16, prestige. Au revoir Diane Larousse, tu es partie. Tu as manqué. Franchement, je t'aimais beaucoup. Bon, je vais relancer une partie. Hein, j'espère que ça va aller plus vite. Ou alors je rejoins un. Non, non, je vais pas rejoindre quelqu'un pour faire des trickshots. Car cette vidéo sera postée également sur la chaîne ImuseFTW. Mais ce sera également la première vidéo sur la chaîne Imu Studios. Et je vous invite à aller vous abonner. Et comme je le fais depuis tout à l'heure. Et oh, Diane Larousse est là. Elle est également dans ma partie. Nous avons retrouvé Diane Larousse. Non, Diane Larousse. Non, pardon. Mais c'est bien, j'en parlais justement, on se retrouve encore avec, c'est le destin, on devait se retrouver avec Diane Larousse. Nous sommes liés avec Diane Larousse. Je sais pas ce qui va se passer avec Diane Larousse, mais il va se passer des choses. Peut-être. Ouais. Non. Alors, en ce qui concerne mes projets, j'ai acheté le jeu Rayman The Origins, donc je compte sortir une série dessus. Et j'ai acheté un jeu que pas beaucoup de Français ont fait des épisodes dessus, enfin des séries, c'est Dead Rising 2. Et je compte bien faire des séries. Alors le jeu arrive dans 2 jours et je vous ferai des séries. Alors j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Dead Rising 2,
En gros, Dead Rising 2, c'est un jeu de massacre. En fait, le but, c'est de... En fait, je sais pas vraiment c'est quoi le but, parce que j'ai pas fait trop attention. Je vais juste l'acheter parce que ça a l'air sympa. Mais en gros, le but, c'est de zigouiller des zombies, de faire des points, de les tuer de plusieurs façons. Genre, dans le trailer, par exemple, vous pouvez prendre... vous savez, le vélo que les clowns prennent et qui font du vélo avec, là, ils sont tout petits. Et bah, vous pouvez tuer les zombies avec ça, par exemple, en leur roulant dessus. Vous pouvez mettre une tronçonneuse sur le guidon d'une moto et à chaque fois que vous avancez, la tronçonneuse va les découper. Enfin, franchement, c'est un jeu bien sanglant et bien drôle. Je pense qu'on va passer de bons moments dessus et de bons épisodes. Donc là, le jeu arrive dans une journée ou deux, je ne sais pas. Alors, je commencerai vite et je vais découvrir ce jeu en même temps que vous car c'est la première fois que j'achète ce. Ah, dommage, j'ai eu un marqueur. Toi, tu meurs, s'il te plaît. Non, je veux pas. Donc je vais découvrir le jeu en même temps que vous et je pense vraiment que ça pourrait être sympa, ça va vraiment faire rire et je pense que ça va changer un peu de Call of Duty. J'avais promis de faire du Halo Reach, je l'ai toujours pas fait, je le ferai sur ma chaîne secondaire. Donc si vous voulez un peu de gameplay sur Halo Reach, vous allez vous abonner à IMU Studio. Donc si vous trouvez pas la chaîne, parce qu'il y aura pas de vidéo encore, c'est la chaîne dans la description et dans la subbox de InusFTW, de ma chaîne InusFTW. Donc elle sera dans la subbox. Donc allez vous abonner, franchement, ce serait vraiment cool. Je vais avoir du mal à démarrer parce que j'avais une chaîne à 800 abonnés et je vais devoir tout recommencer. Donc forcément, les vues, elles vont pas suivre. Hein. Enfin, même si j'avais pas énormément de vues sur ma chaîne InusFTW, je pense que sur ma chaîne Imu Studio, ça va être encore pire. Ouais, donc ça va faire une grosse claque, mais. J'ai envie de tout recommencer, ça va faire un nouveau départ, ça va être neuf et voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Donc, sur la chaîne Imu Studios, je continuerai la saga Nous sommes des vétérans, si vous la connaissez, enfin si vous la connaissez pas plutôt. C'est les missions de Modern Warfare 3 que je fais en vétéran, je les fais toutes. Merde, c'est les missions que je fais toutes en vétéran sur Modern Warfare 3 avec Zach ZBE, c'est un pote à moi. Donc on n'a pas trop le temps de jouer ensemble parce que bon déjà c'est la rentrée. Bon, moi je suis rentré en seconde hier donc c'est vraiment cool hein, le lycée. Quand on a une heure de trop on peut sortir quand on veut, on peut sortir le portable. Pour moi c'est tout nouveau donc franchement c'est cool. Et donc lui c'est la rentrée aussi et ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas forcément le temps de jouer ensemble. Donc la saga c'est sûr qu'elle est un peu longue à démarrer. Et on est à peine à l'épisode 1. On avait fait l'épisode 2 en fait. Mais je suis parti en vacances et quand je suis rentré j'avais perdu le fichier. Je sais pas où il est passé donc j'ai pas pu l'upload. Donc on va tout refaire. Donc si vous voyez que la mission elle est déjà finie en vétéran, bah c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de... Enfin si on a eu le temps mais j'ai pas eu le temps de l'upload. Et quand je suis rentré de vacances j'ai pu retrouver le dossier. Donc tant pis. Donc je le referai, mais vous inquiétez pas. Donc ça fait que j'ai environ 4 séries à faire. Et je compte acheter beaucoup de jeux parce que je sais pas, j'ai envie d'en acheter. Sachant que Black Ops 2 il est commandé pour Noël. Pour Noël, je vais avoir. Je devrais. A chaque Noël, j'ai environ 100-150 euros. Donc je pourrais acheter un ou deux jeux. Donc Black Ops et encore un autre jeu. Donc je pensais acheter Red Dead Redemption. Ou alors un Saint WoW. Ou le nouveau jeu qui est sorti là, je sais plus. C'est genre avec la mafia chinoise ou je sais plus comment ce que c'est. Je sais plus du tout, franchement j'ai oublié. Mais en tout cas ça a l'air d'être un jeu sympa, il est sorti il y a pas longtemps, c'est un genre de GTA en fait. Et pourquoi ne pas acheter GTA aussi? Parce que je sais que ça plaît à beaucoup de monde. C'est pas le fait de se faire sucer par une pute dans ce bois, tu vois. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas le but du jeu. Enfin même si quand j'avais 10 ans c'était un peu ce que je voulais faire. Bon, genre, mon père ne voulait pas me l'acheter car il avait peur que il trouvait que c'était un jeu malsain. Bon, c'est un peu normal. Hein. Red. GTA c'est pas le jeu le plus sain du monde. Meurs je t'en prie, merci je vous aime. Voilà. Donc ah non non le QG, ah merde c'est vrai ça se finit à 200, je crois que c'était à 250 donc voilà, ah merde. Donc voilà on s'est pris une belle branlée, il faut le dire. Mais voilà j'espère que ça vous fera plaisir, donc allez vous abonner à IMU Studio, n'oubliez pas. Faites tourner, ça m'aide, ça fait plaisir. Et je suis de tout cœur avec vous, mes fans, même si vous n'êtes pas beaucoup et que j'aurai peut-être que 10 abonnés sur ma chaîne secondaire. On avancera ensemble, on fera des vidéos ensemble et ce sera génial. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. What's up tout le monde, au revoir.